président de la République, même quand je parlais avec le champion, le fama, le bâtisseur, mon papa, au téléphone, quelqu'un d'autre l'appelle, tout le monde sait. C'est téléphone, c'est haut-parleur. Il me dit, attends, ne quitte pas. Il dit tout ce qu'il a à dire, j'entends tout. Il a confiance en moi parce que c'est jamais sorti. J'ai dit, moi, le jour où je vais enregistrer quelqu'un, qu'Allah, il reprend ma vie. Le jour où je viens dire ce que je dis, j'ai entendu des gens dire, ou ce qu'on m'a dit ici, dénoncer, dévoiler, humilier la personne, qu'Allah reprend ma vie, moi, je vais construire. Moi, c'est ce que je dis. Je n'ai pas dit, je ne m'en parle. Mais moi, mon mensonge, c'est le mensonge qui arrange. Quelqu'un vient me voir, il dit du mal à une personne. La personne se rend compte que la personne qui l'a diffamé est venu me voir, il me demande, je vais renverser tout ce qu'il a dit, tout le mal je vais transformer en bien. C'est ça moi mes mensonges. Donc vous aujourd'hui, je vais vous dire, qui est là, qui a peur, le futur président qui va venir, il s'en foutra de vous ici, parce que il a vu comment vous avez fait de Alpha Condé. Arrêtez d'avoir peur de vos postes. Arrêtez d'avoir peur. Vous, votre bienfaiteur est allé en prison. C'est ce que je dis. Il n'y a aucun Guinéen, aucun militant qui est mieux que nous, les Nielé, qui est mieux que nous. Nielé a payé le prix. Et vous vous rappelez bien, je disais dans mes directs ici, je dis, vous, parce qu'il y a eu des jaloux aussi. À un moment donné, au RPG, les gens ont voulu nous manger. C'est vous qui m'avez poussé à sortir, pleurer sur Facebook pour vous dire que je ne gagnerai avec le président pour qu'au moins vos tensions baissent. C'est vous qui m'avez poussé, j'ai dit, je ne gagne rien parce que à un moment, la jalousie que vous avez pour nous là, c'était high level. Vous voulez nous manger. Mais nous, on s'en fout. Nous, on n'est pas venu au RPG pour quelque chose. On est venu au RPG pour accompagner le RPG. On est venu au RPG pour prouver au monde ce qu'ils ont dit du RPG, c'est pas ça. Parce qu'ils ont dit que le RPG, c'est un parti qui n'aime pas le peuple. Que le RPG, c'est un parti qui n'aime pas la vérité. Et moi, je suis pour la vérité. Je vous ai dit dans mes directs, au moment où il a eu là, une vidéo ici avec les militaires, moi, je n'ai jamais eu de garde. Et c'est la justice même qui m'autorise d'avoir les gardes. Parce que je suis menacée, vous le savez. Ils sont même allés montrer ma maison. Ils ont tout fait, publié tout genre de menaces. Je suis menacée, vous avez vu ça. La justice m'a donné à autoriser qu'est-ce que j'ai des gardes. Mais je n'ai pas accepté par peur de votre bouche. Parce que vu juste, il y a eu une petite vidéo. Quelqu'un qui nous a pris en vidéo là-bas. On était là, la personne a posté sans me demander. Parce que la petite vidéo là, c'était même pas à poster. Je faisais ça, c'était à envoyer à quelqu'un. Après, il a posté. C'est un administrateur. Il a posté la vidéo. Ça a parlé, ça a crié. Au sein du parti, au sein des gens qui devraient me défendre, c'est ça un peu le problème du RPG. Les personnes qui sont censées à te défendre, c'est eux-mêmes qui cherchent à te nuire et te détruire. C'est ça la différence aussi entre le RPG et l'IFDG. IFDG, même si tu es quoi, on sait quoi et pas leur problème. Les gens sont sortis pour dire que non, moi je me prends pour qui? Pourquoi j'ai des gardes? Vous avez tellement parlé, il n'y a que mes frères et sœurs, combattants et certains communicants qui m'avaient soutenu dans ça. Et vous avez vu? Aujourd'hui, je vais dire son nom. Hadji Sellou, quand il est sorti, il a rappé sur moi. Mais quand il m'a terrassé, fait où? Le président de la République, Alpha Condé, je l'aime, je vais l'aimer. Il a pris son téléphone, il a vu ce qui se passait. Il me dit, prochainement, ne fais pas ça. Reste tranquille. C'est moi le président de la République. C'est moi le président du RPG. J'ai vu tout ce qui se passe. C'est pas bon, l'image n'est pas bon pour à l'international. Voilà, ils vont voir un manque de respect. Mais reste tranquille, Fatou. Et moi, Alpha Condé, Moi, je ne cache même pas mon amour pour Alpha Condé. Toute personne qui va m'aimer, tu vas m'aimer en sachant que j'aime Alpha. Et puis, on ne touche pas mon champion. Il est ma fierté. Tu ne m'aimes pas. Il faut aller te faire foutre.
Si tu t'attends de moi de dénigrer ou de dire quoi de Alpha Condé, Alpha a toujours été là pour moi. Les gens étaient prêts. Il y a eu des gens qui ont parlé. Les cadres, les gens ont saboté. Ministère de la Défense ou quoi, ils ont fait le poste là, vous avez vu le document qui était sorti, ils m'ont ramassé bien propre. Alpha me dit, reste tranquille, c'est moi le président de la République. Il dit, reste tranquille, prochainement ne le fais plus, parce que c'est, l'image n'est pas bonne à l'international. Et puis c'est calmé. Beaucoup de gens voulaient que je parte en prison pour ça. Il y a eu des gens qui ont posté sur moi, les arrivistes. Je veux vous voir, vous êtes où? Vous là. Vous qui nous avez traités de zarivistes là. Vous dont vos papas qui ont les nerfs, c'est que même vos nerfs RPG là. Vous qui ont je ne sais quoi du RPG, vous êtes où? Ah ouais, c'est nous les zarivistes qui sont là en train de démontrer notre amour au sein du parti. Même pas que Alpha Condé. Parce que moi je vois tout. Hein. Ceux qui parlent là, on voit. Ceux qui ne parlent pas aussi, on voit. Vous, vous aimez quelqu'un tant que c'est bon. Si quelqu'un demain vient ici, il a confiance en vous, c'est que c'est un zéro. Wallahi billahi ta'ala. Le futur président, je vais le voir. Il est parmi nous, hein? Le bien futur président là. Et je prie Dieu pour que ce soit un jeune président. Parce qu'avec la jeunesse, je sais que oui, on peut aller. Donc moi, personne ne peut changer l'amour là. Aujourd'hui, je suis ici. Si Alpha Condé n'était pas pris, je serais en route pour mon village, pour aller assister au sacrifice de mon père pour le 1er janvier. Je ne peux pas aller, Nielo ne vient pas à cause de Doumbouya. Et puis vous autres qui m'appelez, non, Fatou, Doumbouya, je ne laisse pas Doumbouya, je refuse. Je vais parler de Doumbouya tous les jours. Tous les jours, je vais parler. Je vais, quand il fait des bonnes choses, on dit. Quand il fait des mauvais, je vais venir parler. Et puis on va démontrer ce qu'il dit là. C'est dit et ces actes-là. Si ça colle, oui. Si ça colle pas, je vais venir lui montrer lui-même. Ce qu'il dit là, ça colle pas. Parce que, tout simplement, il fait pire qu'Alpha Condé. Tout ce qu'il a dit, Alpha faisait. Il fait le double ou triple même. Qu'est-ce que Doumbouya? Pourquoi prendre les passeports des autres, garder? Eux, ils ne sont pas des Guinéens. Et c'est lui qui a dit, il a pris pour les autres, il les a rendus. Il déloge Hadjanantou Shérif. Hein? Il laisse Seloudalem dormir chez lui là-bas. Et puis vous voulez qu'on se taise sur ça parce que Doumbouya, il est le chef d'État, parce que lui, il est militaire, parce que hey, Doumbouya va partir. Tôt ou tard, il va partir. L'histoire de Doumbouya, ça va être l'histoire ici. Les gens vont parler. Et ce jour-là, il sera seul. Et il sera très dessus. Il sera mille fois dessus que Alpha ici, que les autres. Parce que c'est là les gens vont dire, hey, vous savez, nous, on n'avait pas le choix. Comme il avait l'arme, c'était lui, il était militaire, il avait le physique, machin, donc on était obligé de le suivre. Moi, Doumbouya n'a rien à me donner, sauf deux choses. La libération des détenus, la libération des forces spéciales, Nielo et là, eux, là, et puis Alpha Condé. À part ça, là, Doumbouya n'a rien à me donner. Hey, femme Sakaraba. Envoie mon sac. Doumbouya n'a rien à me donner. J'ai quoi manger. J'ai où dormir tranquillement, tranquille. Je suis logée en ville ici. Je ne paye pas. D'accord? Vous avez vu ça? Donc rien. Hey, c'est même fini. Mon chéquier qui est là est même fini, quoi. Pas voir ce qui reste là. C'est même fini, mon chéquier qui est là. Depuis je suis là, l'argent que je mange, c'est pas l'argent de Doumbouya. C'est pas Doumbouya. Vous avez compris ça? C'est pas Doumbouya qui me donne. Doumbouya ne peut rien me donner que je ne peux pas gagner. Alpha Condé ne m'a pas donné quelque chose. C'est pas Doumbouya qui va me donner la chose. Mais moi, c'est l'amour, le respect, la considération que je cherche chez l'être humain. Et malheureusement, Doumbouya, je ne le connais pas. Même ça, peut-être qu'il ne peut pas me donner parce qu'on ne se connaît pas. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là en train de parler, là, moi, j'ai quoi manger. J'en ai rien à foutre avec... certaines, je ne suis pas démagogue. Moi-même, les ministres, ils peuvent témoigner. C'est le respect qui est entre nous. Moi, je me respecte. J'impose le respect. Je ne cherche pas à quoi manger. Aujourd'hui, j'ai mes documents. Je peux aller étudier dans n'importe quelle université. Et puis, j'ai mon argent. Et Nielo a son argent. Je vous dis, hein. En 2018, avant 2019, avant notre adhésion au RPG, Nielo avait vendu un terrain, le terrain à 2 milliards.
Dans les 2 milliards, là, moi, Fatou Niello, c'est 7 millions, j'ai retrouvé mon argent parce qu'il me devait 7 millions. Moi, j'aime Niello, hein. J'aime pas Niello pour que Niello me fait quelque chose, il me donne. Par contre, moi, c'est mon argent, tout le monde sait. C'est mon argent, il prend. S'il est dans le besoin, c'est mon argent. Il m'appelle, moi, je le débloque. Il ne me donne rien. Quand Niello a vendu le terrain, là, il a eu 2 milliards. Les 2 milliards, là, pour que... Il m'a coupé même la parole. Moi, je vais vous dire, Niello et moi, cet homme est guéri. Hein. Moi, c'est comme parce que c'est moi l'aîné et je l'aime beaucoup. En fait, moi, je me suis mis à la place de la grande, quoi. J'accepte tout. Tout ce que moi, mes frères et soeurs me font, je prends ça, je mets comme l'huile, je nettoie, je me dis peut-être c'est l'âge qui fait ça. Peut-être, voilà, un moment, quand ils seront matures, quand l'âge va augmenter, ils vont changer certaines choses. Imaginez, quand il a vendu le terrain, il m'a coupé la parole. Je ne le voyais même pas. Il a un ami Snop qui est en France aujourd'hui, il peut témoigner. Je dis, Snop, tu as vu ton ami, comme l'argent est venu maintenant, il s'en fout de moi. Et en ce moment, il était chez moi. La cour qui était collée de ma maison, sa maison était là-bas. Mais il faisait tout chez moi, son manger tout. Je dis, le petit a disparu. Il a même quitté là-bas, après il a cherché maison, il est parti. Ah ah! Il me devait 7 millions. Moi aussi, je dis, Baba, tu ne me donnes pas l'argent. Au moins, mon crédit que tu as là, rends-moi mon argent. C'est ce qu'il me dit aujourd'hui. Et pour encore, pour ne même pas oublier, merci à mon frère Amadou Baldé, depuis la Hollande, pour tes 250 euros. Pour moi et Ousmane, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, le grand a envoyé 250 euros. Il dit, pour moi, non. Je dis, c'est pas toi seul, c'est pour toi et moi. J'ai même dit à Kansato, je dis Kansato, le grand a envoyé 250 euros. Je ne sais pas si tu fais partir peut-être toi les 50 euros parce que le grand il a l'habitude de te donner. Je dis, niais-le peut-être 100 euros, moins 100 euros. Je dis, je ne sais pas d'abord. J'ai reçu l'argent mais je n'ai même pas parlé avec le grand. Amadou Baldé, la Hollande, Barkama, Yalla, Yopé, Allah, Okore, Nouada, Boutina, Bernema. Donc, c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit à Ousmane, je dis, il est moi, car tout moi. Je dis, c'est pas tout toi. Je dis, et puis moi, si c'était pas par pitié, là, j'allais récupérer tout l'argent que tu as mangé. Parce que je vous ai dit, Ousmane, même quand on prenait mon argent, on lui donne, vous savez ce qu'il fait? Il vient, quelqu'un dit, Ousmane, Niello, comment tu vas? Ça va, tu as ça, ok, ça. Prends les 2000 là, 3000 là, ça c'est ta grande soeur. Prends ça, tu donnes à ta grande soeur. Qu'est-ce que Ousmane fait? Il prend. Il vient chez moi, il dit, passe-moi ton téléphone, je n'arrive pas à faire le truc là sur ma page et sur mon compte là, je vais voir, donne-moi ton téléphone, je prends mon téléphone, Ousmane c'est un malhonnête, hein, mon frère, mais c'est à moi il le fait, quand je dis il est malhonnête c'est avec moi, pas avec les autres, il prend mon téléphone, il manipule, il prend, il envoie un message à la personne qui l'a remis l'argent pour dire que c'est pour moi. Il dit, merci grand frère, c'est moi Fatou Niello, j'ai reçu Ousmane, m'a donné tel. Après, il envoie le message, il finit. Il prend le téléphone jusqu'à ce que la personne réponde. Après, il finit, il supprime le message et puis il bloque la personne. Un jour, j'étais de passage, j'ai vu, il a mon téléphone, il a duré. Après, je suis allée tourner, je suis venue regarder qu'est-ce qu'il faisait avec mon téléphone. Je l'ai vu, il écrivait, merci grand, j'ai réussi, c'est Fatou Niello. Et Fakanka, maintenant, ah bon, c'est comme ça, donc tu es bandit à ce point, quoi. C'est ce que je l'ai dit aujourd'hui. Je dis, moi aussi, si ce n'était pas à cause de Dieu, là, tout l'argent qu'on m'a donné de te donner, je vais être mangé. Mais, je ne le fais pas, parce qu'il a plus besoin d'argent. Il a l'argent dans son compte, mais fort malheureusement, son compte ses documents sont bloqués à l'aéroport. C'est bloqué à l'aéroport, donc je ne peux pas faire sortir son argent en consomme. Donc merci à toutes les bonnes personnes qui envoient de l'argent pour Ousmane. Qu'Allah vous paye. Qu'Allah vous paye sur vos enfants. Vous savez le bienfait, on ne le fait pas pour que nous seulement, pour toi. Hein. C'est pour aussi tes enfants. Si vous voyez moi aujourd'hui, mon enfant est aux États-Unis. Avec les États-Unis, là où quelqu'un ne peut pas garder l'enfant d'autrui. Mais c'est parce que j'ai toujours gardé les enfants d'autrui chez moi. Et je suis très à l'aise. Mon enfant, c'est comme si elle était avec moi, ma fille. Je suis tellement à l'aise. Elle est tellement dans les bonnes mains. Et c'est là-bas que j'ai connu la fille, là, une fille Kaba. C'est là-bas que je l'ai connue. Un jour ici,
Elle m'a vu, je parlais français. Après, elle dit, ah, elle dit, tu es de la Guinée. Je dis, oui. Après, elle dit, elle aussi, elle est de la Guinée. Après, on a parlé. Elle me dit qu'elle est Kaba de Cancan. Je dis, ah bon, je dis, moi, je suis Valafa, tu dis, l'eau du foot. On a parlé depuis ce jour. C'est comme si c'était, on était sortis dans le même ventre. Elle a toute sa famille, sa mère, son père, toute sa famille est là-bas. C'est ma famille aux États-Unis, là-bas, au Columbus. Moi, j'étais allée à Columbus, c'était juste pour voir, parce qu'ils m'ont parlé, mais c'est à cause d'elle-même que j'ai décidé de rester, parce que c'est une famille, je ne peux pas te dire combien de fois ils sont gentils. Donc, moi, Nielo est là. Ce n'est pas genre dire les gens qui disaient que nous, on est venu l'argent. Nielo est venu au RPG avec son argent. On ne va jamais vous dire qu'on n'a pas eu quelque chose au sein du parti. Quand on le dit, on a menti. Quand on le dit, Dieu ne va pas nous pardonner. On a eu beaucoup de choses. Mais la chose qu'on cherche de plus chez l'être humain, c'est quoi? C'est la considération. Et Alpha Condé nous a donné ça. Et les vrais militants du RPG aussi nous ont accordé ça. Donc les jaloux, là, ce n'est pas mon problème. Les autres, là, ce n'est pas mon problème. Mais osons de dire la vérité. Disons la vérité au bon moment. Disons les choses au bon moment. Moi, je ne suis pas contre Doumbouya. J'ai dit ça aux gens. Quelqu'un me fait tout. Non, tu sais, je dis, moi, je n'ai rien contre Doumbouya. Mais tu veux que je reste dans l'esprit de Doumbouya. Il y a mon frère, il y a mon papa qui est dans ses mains là-bas, enfermé. Et puis moi, je vais dire quoi? Hein? J'ai tout, j'ai laissé, je me suis tué ici. Je n'ai rien dit, voir qu'est-ce que la justice va faire. Je suis allée jusqu'à ce que j'ai compris. Il y a Bala qui insiste pour garder mon frère. Il le prend. Qu'est-ce que vous voulez? Que j'accompagne le CNRD. Je ne fais pas. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas les soutenir, je ne vais pas les accompagner. Ça, les accompagner, c'est être lâche. Donc, vous qui vous parlez là, allez-y dire à Doumbouya, ils n'ont qu'à libérer mon frère. Je suis fatiguée parce que il est injustement arrêté. C'est de l'injustice pure et simple.